Et ok, salut à tous, c'est Recalco, on est parti pour la suite de nos aventures sur Resident Evil Révélation 2. Je vous avais laissé la dernière fois sur l'épisode 2 assez lamentable au début, mais qui a été rattrapé, merci Barry, pour ces magnifiques passages de l'épisode 2 que j'ai apprécié quand même du côté de Barry, plus que sur les deux filles, parce que sur les deux filles c'est le stress, c'est la panique totale. D'ailleurs, je sais même pas si je vais réussir à le faire là, cet épisode 3, alors que j'ai quasiment plus de munitions. Mais bon, je vais quand même essayer. Donc, pour rappel, à l'épisode 1, on devait s'échapper d'une prison. Et Barry devait suivre leurs traces 6 mois plus tard. Dans l'épisode 2, on traversait à peu près toute l'île pour aller jusqu'à cette grosse antenne qu'on voit au milieu ici. Peut-être que vous voyez un peu en petit ici. Dans lequel se trouverait la sentinelle, dans lequel on a appris deux choses essentielles dans cet épisode. La première, c'est que la sentinelle utilisait l'île pour faire ses expériences sur le virus MUR, qu'elle a baptisé MUR. C'est un virus qui est réactif au sentiment de peur, donc il s'active uniquement quand la personne, enfin l'hôte, qui est affecté par le virus a très peur. Et comme Uroboros, il y a des élus et il y a des exclus, et du coup, on avait un ami à nous. Donc j'ai oublié jusqu'à le nom, tout ce que je me rappelle c'est qu'il avait une tronçonneuse. Ou une perceuse au choix. Qui n'était pas un élu, ce qui fait qu'il commençait à avoir des yeux partout, c'était devenu super musclore, etc. Et pourtant, non, il était incontrôlable. Et du côté de Barry, on a surtout appris que la sentinelle et la sœur de Wesker n'est en fait qu'une seule et même personne. Donc finalement, on apprend que Wesker, le grand méchant des Resident Evil, hein, qu'on a vu depuis l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 5, dans lequel on l'a enfin vaincu, avait une sœur. Ça m'a un peu déplu de voir ça. Hein. Mais enfin, allez, j'ai à peu près 3 heures pour boucler cet épisode, ça va être compliqué. Vous remarquerez que je parle assez bizarrement, c'est normal, c'est parce que ma bouche est complètement morte à cause de 2-3 trucs. Mais je vais essayer de parler de manière le plus calme possible. Et vous sauvegardez, oui, bien sûr. On va avoir un résumé d'épisode. Avec Terra Save. Précédemment dans Révélation 2. Ma mère, ma vie est géniale! Cette pute m'a planté une aiguille. Claire, sur le toit! Tu vois? On est comme des sœurs. Oh, mon cher petit Grégor, c'est de la triche. Claire, où est la petite? On ira essayer de rejoindre cette tour quand j'étais avec elle. Paris, il y a quelque chose ici. J'attendais votre venue. Une seconde. Wow, tu parles d'un message. On s'est séparés ici avec Moira. Ensuite, le gentil monsieur est venu m'emmener avec lui. De Whisper. Eh oui, on vous avait laissé là-dessus. Judgment, le verdict. Épisode 3. La vérité est indivisible, elle ne peut donc se connaître. Elle-même, qui veut la connaître, doit être un mensonge. Franz Kafka. Kafka, FF6. Donc retour avec Moira avec sa lampe torche. Donc avec les deux filles, on est à notre... Rien. Aucun signe d'elle. Que s'est-il passé? Moira? Là! On a laissé un message. C'est écrit « Rendez-vous à l'usine ». Et sur l'échelle du traquenard, on est à combien? Ça vient de Neil. Allons-y. Ah, bah finalement, avec eux, on va pas rentrer dans la tour, on va d'abord aller à l'usine. D'accord. Alors, niveau munitions. Donc, j'ai deux herbes, ça c'était à cause du boss. Regardez dans Trade, ce sera mieux. Mais oui, je me suis souvenu des touches cette fois.
Alors, trois herbes, des balles de pistolet mitrailleur. Ouais, ça va. Mais surtout, il faut pas que j'oublie. Il y a un truc que j'ai échoué à l'épisode 2, c'est pour ça que les filles avaient du mal, c'est. Je sais plus. Il y avait des coffres que j'ai pas réussi à ouvrir. Et fait que j'ai perdu énormément de bonus à l'épisode 2 J'arrive avec pas eux. à croire qu'on ait perdu la gamine. Je vais même pas demander son prénom. Elle s'est peut-être cachée. On continuera de la chercher en chemin. Toujours avec Counter-Strike. Ah, les touches E et F, ça c'est chiant. Et je peux pas faire les autres touches. D'accord, ça serait se passer. Toujours chiant avec elle, on sait toujours pas ce qu'on peut casser, ce qu'on peut pas casser. Je veux sortir d'ici. S'il vous plaît. Donc, Claire, pourquoi le boss viendrait ici? Je ne sais pas. Neil fait juste ce qu'il a à faire. Ouais, c'est bien ces fameux qu'est-ce que j'ai raté la dernière fois? Oh, c'est un truc qu'on peut ouvrir, ok. Que je fasse gaffe, il y a toujours les petits chiens. Enfin, les sangliers, on sait pas. Tellement cliché! Ok, sacoche pour Moira. Ça veut dire que Moira a récupéré des trucs, ça c'est cool. Comme je suis pas doué pour les exploser, je préfère tout donner. Je sais même pas si je dois aller à droite ou à gauche. Encore elle. Elle nous observe. Quelque chose de bizarre. Fais attention. Ah, ça c'est pour monter, je suppose. La musique stressante. La chose qui spoile tout. Autant avec Barry, on a Natalia pour nous aider, mais là, c'est la musique qui nous dit quand est-ce que ça va être chiant. Oh non, il y a un truc là. C'est Anil. Voici Prométhée, condamné à être attaché à un rocher pour le vol du feu sacré de l'Olympe. Charmant. Où est Nil? Merci pour le cours d'histoire. Pour le revoir, vous allez devoir affronter l'échafaud des dieux. On doit se dépêcher. Neil a besoin de moi. Besoin de toi? Fouillons par là. Un scanner rétinien? Dans une usine? Bon sang! Il va pas nous laisser entrer. On a besoin de l'œil de quelqu'un. Ça va être chaud. Alors attention. Attention. On peut venir par là. Munition pistolet, je prends. Pour moi. On peut pas monter par-dessus. Et bah comme à l'épisode 1, il y a un truc de logistique, c'est cool. Avec l'accueil. Bonjour, je viens faire mes heures. On s'en fout, j'y connais rien, on est en facile, donc ça va. Ah, oup, comme par hasard, c'est du russe et j'arrive pas à lire. C'est pas normal.
Par contre, j'ai pas de plan là. Aou. Aou. Ça peut venir de gauche comme de droite. Y'a rien à gauche. Ça peut venir de là aussi. Cover, 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 cover. Ouah, les fauteuils. La bonne nouvelle. On va peut-être mourir, mais on a trouvé des fauteuils confortables. C'est cela, oui. Encore l'œil. Ça va faire comme la perceuse, il va me falloir du temps pour trouver quelque chose. Alors, faudra m'expliquer comment entrer ici. De l'autre côté, d'accord. En train de rusher, c'est pas une bonne idée, faut visiter. Hein. Ah, ici, il va y avoir du Natalia. Et comme par hasard, c'est n'importe quoi cette usine. Allez, force du node. Commandant de conquérir. Oh, j'ai horreur des labyrinthes. Un plan. Une carte, n'importe quoi. Je veux pas continuer. Claire, regarde le plafond. C'est joli. Alors ça, j'ai horreur. Énigme débile. T'actives le truc, ça enclenche truc à kill. Regarde, il y a une clé dans son bec. Essayons de la récupérer. Je crois que je vais mourir. Tu veux pas la ramasser? Ok. On va attendre un peu. On va essayer de trouver une perle ou un truc dans le genre. Ça doit être au rez-de-chaussée. Usine. Ok, il me faut la clé de l'usine. On a le choix. Il y a deux solutions. Soit on coupe le disjoncteur et tout va bien. Soit on essaie de faire comme Indiana Jones, on essaie de trouver un truc qui va nous servir à bluffer. Ouah, faut arrêter. Je te vois la clé à molette. Spoiler. Oh. Il est muté. Un flac explosif. C'est devenu des talibans. Alors pourquoi? Pourquoi y'a rien? J'ai gâché des munitions pour une plante.
Ils n'ont pas osé bâcler la fin quand même. Voyons. On va descendre. Encore. En train de tourner en rond. Waouh, y a personne. Y a pas une perle, une bille, un truc pour remplacer l'œil. Faut la clé de l'usine. Oui, c'est bon, j'ai compris. Là aussi. Ah! C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle parce que je dois continuer. Recule. C'est bon! J'aime bien quand le jeu il est comme ça. Bon, on va chercher un gigot, un truc. Hein, s'il y avait un zombie pour garder l'endroit, c'est qu'il y avait un truc bien. La merde. Oh purée. Bon. Vous savez juste dire il n'y avait rien du tout, c'est bien. Je comprends pas. Ça y est, c'est parti. La prise de tête avec la salle piégée là-haut. Si je prends ça. Acceptez votre mort doucement comme un adulte. D'accord. Pour avoir compris. Arrivé au niveau de l'aigle. Ah ouais, c'est pour ça, au niveau de l'aigle ça va péter, normalement je vais le remettre. D'accord. Allez viens. On va récupérer l'œil plus tard. Oh, j'ai cru qu'il y avait un zombie qui m'avait sauté dessus. Tout va bien. On va pouvoir fouiller. Ah. Oups. Tous les coups, ils vont se relever.
Tu fais trop de bruit, c'est dommage. T'es bien parti. Bon, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de gros masqué, tout va bien. Je me sens comme chez moi. Allez, go. Bon. Attends, je sais pas viser. Oh. Je suis mauvais. Elle court. Il en reste un. Je l'ai pas, je l'ai vu, mais pas où il est. Oh merci. On peut passer maintenant. Donc quoi, il n'y avait pas besoin de la clé. La thune. Toujours pas de plan, on continue. On avance. Par là. Oh merde, c'en est un. J'avais dit non, j'en veux plus de ceux-là, ils sont chiants. Ah, fusil à pompe. Ça me sert pas trop, hein. Oula. Et de la bombe. T'as entendu la musique stressante toi aussi? Ça vient d'où? Journal du directeur de l'usine 1, écrit en russe. Là on arrivera à traduire. Nickel. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais on dirait bien que je vais décevoir mes parents après tout. Je ne peux pas sauver l'usine familiale. Ouais. Enfin, je suis en train de dire, mais c'est pas comme s'il y avait la musique stressante qui dit qu'il y a un zombie qui va me sauter dessus. Hein. Nous ne recevons aucune commande. Je n'y peux rien. C'est de sa faute à elle. Aucun doute là-dessus. Elle cherche vraiment à nous faire partir d'ici. On dirait qu'elle va y arriver. C'est sûr, si t'as pas de commande, tu peux pas vivre. Elle sait très bien que nous n'avons aucun moyen de nous défendre. Mais pour qui se prend-elle au juste? Pour qui elle se prend au juste, pardon? Pour une dictatrice toute puissante? Dans l'état actuel des choses, il serait impossible de s'opposer ouvertement à elle tout en vivant ici sur cette île. Je suis pas en forme ce soir pour lire. Je n'ai pas le choix, je dois lui obéir. Au moins, elle a promis que je pouvais rester chef. Évidemment, dans cette usine, il y a des munitions de pistolets mitrailleurs. Tout à fait normal. Voilà, ça c'est pour toi. Ça, je l'avais raté la dernière fois. Je n'avais ouvert aucun à l'épisode 2. Non, je l'ai foiré. C'est nul. Mauvais. Allez, fais tout de suite. Bon, alors, le zombie qui met la musique, tu m'énerves. Tu es où? À moins que c'est la musique de base. Que j'ai l'air bête. On reprend. Ouais, cool. Un truc qui sert à rien. Je m'en sers jamais. Pour augmenter la difficulté là où il n'y a pas la place. T'es plutôt mignon, toi.
Elle va exploser. Elle va exploser. Ah, j'espère que t'as pris cher. On n'a pas fini, hein. Donc là, on peut pas ouvrir, hein. Il y a toujours le chenil. Ça pour un scientifique débile. Il me reste encore des pièces à visiter. Non, ça, on a déjà visité les toilettes. Mauvais. Ça, on a visité. Bon, on va revisiter le rez-de-chaussée. Il me reste des pièces à visiter. On descend. Oh, salut. Pardon. Je sais pas, il se balade. Une blague. C'est bizarre parce qu'à l'étage, normalement, il y a le truc à piège et là, il n'y a pas. En plus, ça pue le boss à 50 bornes. Tellement cliché. Repérage. Oh! Oh putain. Je crois que c'est mort pour passer. Bon. Pas de gestes brusques. Revenons sur nos pas et réfléchissons. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc on a ça. Donc on peut pas leur tirer dessus déjà, c'est bon. Ah, elle me vise, hein. Je peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Il me manque quelque chose. Je peux descendre. Mais là-bas. Bon, d'accord. Je suis mauvais. Donc là, on est dans un épisode plutôt énigme. J'aime bien. Ça change de l'épisode 13 ans de la dernière fois. Donc, comment passer sans se faire repérer? On a un drapeau. On a des vilains lasers de partout. Bon, pas de gestes brusques. Revenons sur nos pas et réfléchissons. Bon, c'était très joli. Ça c'est bon, on l'a visité. Je tourne en rond. Plus je vais tourner en rond, plus ça va repop. Et si nous suivions la musique? Ah d'accord, j'ai compris, c'était ici en fait, ça marche. Là, on peut voir dans l'étage, tout va bien. C'est vraiment le drapeau qui nous fait
que ça se passe là, il n'y a pas de problème. On peut pas ouvrir, on est d'accord. Est-ce que c'est lui qui a le générateur? Je ne sais pas. Vérifier l'étage encore. Ok, on peut pas monter. On va être parti pour 3 heures d'attente et d'énigmes à la con. On va aller loin. Non, la suite est bien en dessous, mais c'est bizarre qu'il n'y a rien. Va-t-il falloir balancer un gigot d'agneau sur le truc à usine? Là, je n'y comprends strictement rien et je vais gâcher mes munitions. J'aimerais tellement faire une sauvegarde, là. Alors, tellement. Là, d'accord, on a un drapeau, mais on peut pas tirer dessus, on est d'accord. Salut Coronaito! Ça fait un moment, dis donc. Shed some light on your situation. Ok, je la refais. Perdu dans le noir. Clarifiez votre situation. Ok, j'ai compris. C'est bon. Faut suivre les taches de sperme. Salut Menzozo au passage. Oh putain, c'est long et chiant. What? Non, je vois rien. T'es sérieux? J'étais à la fin! C'est dégueulasse. Ouais, c'est gentil l'astuce, c'est bon, j'ai compris. Tout va bien. Est-ce que tu peux me guider avec elle? Ce sera peut-être mieux. Bon, pas de gestes brusques. Revenons sur nos pas et réfléchissons.
si tu vois le rien du tout, bah... pourtant je peux te dire que ça marche très bien, Menzozo. Hein. Je vois le message, t'inquiète pas, tout va bien. Et Kurunaito a l'air de bien voir, donc tout va bien. Non mais là on est... Mais c'est quoi ce merdier? T'es sérieux? Le troll à l'état brut. Il doit me manquer quoi? Un truc de pas à la con et c'est tout. Là on voit bien. Voilà. Ensuite ça se sépare en deux, voilà ici. Là ça continue mais on voit pas, c'est bien. Donc après tu reviens. Je crois que c'est mort pour passer. Bon. Pas de gestes brusques. Revenons sur nos pas et réfléchissons. Là, ça passe. Une merde. Ça peut servir. J'ai déjà fait 3 fois. Ça marche pour les autres streams, mais pas pour lui. Je peux pas vraiment t'aider sur ce coup-là. Hein. Si Kurunaito voit bien, c'est... Mais enfin, je vais accélérer parce que j'ai perdu énormément de temps et je pense que l'épisode va être assez long. Oh! Un ami qui me veut du bien. Ah, tête de bite. C'est bon! Donc, on récapitule. Toi, tu prends. Et toi, tu poses. Maintenant, toi, tu restes actif. Et on va pouvoir activer les nœuds. On devrait peut-être le passer au scanner rétinien. Ça n'a aucun sens, donc ça peut marcher. Je ne peux pas envoyer de messages privés pendant les lives. Je suis désolé, Menzozo. Attention, ça arrive de partout. Retour de sac explosif. La musique continue. C'est que c'est encore stressant. J'aimerais savoir si lui est vraiment tout va bien. Ok. D'accord. Désolé, mais ça c'est un plan. Je peux pas le ramasser. Bah tant pis. Allez, let's go. Rester sur un modèle de nul. Allez, on sort. Alors, quelque chose me dit qu'à la sortie, je suis attendu. Hein.
tâche. On devait garder des animaux ici. Oh non. Oh non, pas. L'instant t'es arrivé, les passages chiants. Je vois des grilles. Je vois une porte, un long couloir. On va se faire attaquer par 50 000 sangliers, ça va être rigolo. Allez, des grandes pièces pour les animaux, c'est cool. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de se refaire niveau munitions, donc je me sens un peu plus peinard. Journal du directeur de l'usine 2, écrit en russe. Mon usine est ruinée, ruinée! Et tout est de sa faute. Que veut dire tous ces maudits pièges qu'elle tend? Elle prétend que c'est une question de sécurité. Je n'ai jamais vu une sécurité pareille. Qu'est-ce qui est sûr dans tout ça? Ça ne tourne pas rond dans sa tête. Ce doit être la faute de ses parents. Qui sait quel mauvais traitement ils lui ont fait subir? Je dois me calmer. Je suis allé trop loin. J'ai commencé à lui crier dessus. Enfin, elle me l'a fait regretter. Elle est revenue sur sa promesse et c'est elle qui tient les rênes maintenant. Il va falloir que je me taise pour ne plus l'énerver. Je sais où est ma place et c'est parmi les vivants. Après tout, ma vie est tout ce qu'il me reste. Ah, apparemment Menzozo a réussi à trouver le bonheur. Peut-être. Ils ont tendance à se relever là maintenant. Tu te relèves? Non. Tu te relèves pas? Je marche dessus. Tu te relèves pas, tout va bien. Tiens, prendre l'herbe, une bonne drogue. Ah, c'est pour passer par-dessus. Il y a de l'explosif, ça sent. Ça sent le fuel. Oh, j'ai horreur des grandes places comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Donc, on pense au fuel au cas où il y a un gros truc. Ok, donc ça se rejoint là, tout va bien. On va se taper un gros truc Uroboros comme dans Resident Evil 5, tout va bien. Des bœufs. Et du bovin. C'était une usine de charcuterie. On est bien. Oh, ça peut descendre des canalisations, c'est bien. Allez. On y tue le bétail. Oh, la grande grille là-haut, je la sens trop bien. Ça sent trop bien. Mmh. Bon appétit, mes amis. Mmh. Oh là là, ils en foutaient partout. Oh, quelle horreur. Je vais me baigner, il y aura des poiscailles dedans là qui vont m'attaquer. Ça pue les insectes. Ah non, c'est du porc. Surgir. Il y a un truc dans la flaque. Je refuse d'aller à l'intérieur. Oh purine! On a un gros. Attention! Je brûle! Fui. Mort comme une merde. Même pas mal! On a un gros tas. Attends, je recharge. T'as pris cher. Mais diversion.
Oh non, j'ai couru, c'est de la triche. Je sais pas esquiver. Eh bien, occupe-le un peu. Oh, en plus, il est débile, c'est bien. Descends. C'est tellement bien placé. Ça c'est pour moi. C'est Q. Ah non, c'est A. Eh, laisse-moi. C'est pénible. C'est bon. Alors je vais le répéter parce qu'on a eu le droit, j'ai eu le droit à ça sur YouTube. Le Clicker Hero, c'est quand j'aurai l'occasion. Donc soit pendant la prochaine transcendance, soit quand j'ai de quoi faire. Là, pour l'instant, j'ai pas vraiment quoi faire pour faire du Clicker Hero. Alors être patient. Bon, finalement, je préférais les hommes masqués, c'était mieux. C'était génial ça. Cool, fusil à pompe, on avait besoin. On a besoin de toi. Donc toi, tu ouvres. Et toi, tu cover. C'est dans un mois, Clicker Heroes. Mais enfin bref, on va reprendre. J'étais jamais vu être aussi calme, dis donc. Regarde-moi ça, je peux ouvrir tranquille. Ça change, hein. Allez, pousse-toi maintenant, je passe devant. Pousse-toi. Oh non! On est de retour dans la prison ou quoi? C'est trop facile. Simple. Pas très compliqué. On va essayer. Suis-moi! Je ne peux pas. Suis-moi! J'arrive! C'est dégueulasse! J'avais tout bien fait! C'était des lames à retardement, c'est dégueulasse. Non. Attends. Ça marche. Oh. Suis-moi. Je ne peux pas. D'accord, j'ai l'air bête. Mourir comme une merde.
Ok, c'est bon, tout va bien. Ah ouais, les autres, c'est une double lame en plus, d'accord. Ah, tout va bien. Alors, moi, j'ai envie de dire, Maître Zozo, fais attention à ce que tu dis, parce que là, il y a mon modo qui est là. Et mon modo, il n'est pas aussi patient que moi. Bon, bah, on est content. On a la clé. On peut se barrer. Je pense que j'ai le temps de faire encore une petite salle. Oh. Quelle horreur. C'est fermé. Ça pue. Oh non. Oh, je suis obligé d'être dedans. Oh. Clic-cloc. Moi. Moi. Oh, y a deux réservoirs en plus. T'es obligé, il y a quelque chose dedans. Bloc. Trop facile. J'aime pas trop beaucoup ça. J'aime mieux quand c'est pas trop facile, facile. Clic-cloc encore. Tu peux les montrer avec ta torche. Et avec un coup de pied de biche, ça va. C'est trop vide. Et stop. Continue un peu. C'est rigolo. On va peut-être voir le corps d'un mec après. Ça a l'air d'aller. Je n'ai pas encore compris tout le principe parce que je suis trop prudent. Mais bon, qu'est-ce que tu fais? Remonte. Vous avez gagné un objet. Sauf que votre inventaire est plein, mince. Donner. Combiner. La bonne herbe. Bon, allez, suis-moi.
Si j'ai bien compris, il faut récupérer un objet. Mais qui est quelque part ici? Donc il me faut de la viande, ça c'est sûr. On va essayer de chercher de la viande. De la viande fraîche. Et c'est parti pour la roulette russe. Il n'y a que des gagnants. Ah, on est bon. Alors attention, attention. Sur quel bouton appuyer pour faire fonctionner ce truc? Parce qu'il faut décrocher le gigot. Comme ça. Allez, faut tout faire gicler, ouais! Dis-toi que c'est juste une gine de porc! Ding 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 ding, le jackpot est de retour! Chlung! Perdu! Retente ta chance! Jackpot! Je commence à manquer de munitions de flingue quand même. Hein. Plus de sang. Encore! Encore. Encore plus de sang. Faut que ça gicle! Attention au troisième, ça sent la surprise du chef. Pardon. Je suis en train de gâcher mes munitions. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Heureusement, cette usine est encore très 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 active. Après tout, je sais pas qui c'est qui pose la viande, mais ça m'aide énormément. Il est dessus, on est d'accord. Ouais, c'est bon. On va faire la pause maintenant. En pleine cécité. Allez, je vous dis à tout de suite, les gens.